Mais c'est déjà avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'attention aussi, parce que bon, c'est d'y aller en mal. Le premier contact date de 2010, c'est pas une génération spontanée. Voilà. Donc nous avons commencé à travailler ensemble depuis 2010 avec le premier ouvrage de Jao Hollandais qui a connu un grand succès, traduit dans plusieurs langues. Après, il y a eu Mounial, les larmes de la passion, il y a eu Mistirijo, le deuxième. Et en 2017, Mounial, aujourd'hui, la première édition date de 2017. Et donc, beaucoup de succès avec cet ouvrage qui a gagné le prix panafricain de la presse. Au niveau de l'Alliance des éditeurs indépendants, Mounial a été primé avant le prix Orange du livre Afrique. Donc, le prix Orange du livre en Afrique, c'était vraiment un peu une consécration. Et pour nous, on croyait que les choses s'arrêtaient là. Mais une nouvelle vie de l'œuvre avec cette session qui a été faite avec Emmanuel Scolas et qui a permis donc que l'ouvrage soit en lice pour le Goncourt. Et donc maintenant, nous croisons les doigts, nous espérons que le livre va gagner. Et ce serait vraiment un grand plaisir, puisque c'est le même ouvrage. Nous l'avons connu nous l'avons publié sur Mounial, les larmes, la patience. Et là-bas, c'est les impatientes. C'est le même texte, c'est le même contenu. Sauf que bon, il y a une certaine répartition avec un éditeur qui pourra le commercialiser pour l'Europe et nous qui continuons de vendre le même livre en Afrique. Mais comme je vous disais tantôt, je la rencontre au début des années 2010. Et donc, c'est une jeune fille qui a un manuscrit. À l'époque, c'était le manuscrit qui s'appelait Hollandais, l'art de partager un mari. Donc, un manuscrit qui va avoir beaucoup de succès, je vous disais tantôt, et qui a été réédité, et qui aujourd'hui même figure dans l'enseignement du français pour anglophones au Cameroun. Donc, qui est entré dans les livres scolaires. Donc, ce n'est pas vraiment une génération spontanée. Non. C'est un travail de plus de 10 ans avec un premier roman hollandais, l'art de partager un mari. Après, il y a eu Mystérieuse ou la mangeuse d'âme, et donc, moi, il y a l'aujourd'hui. Donc, bon, peut-être les gens croyaient que c'est une génération spontanée. Non, c'est une dame qui a une vocation, qui a sa plume et qui a une passion pour l'écriture, qui s'est concentrée pendant une bonne dizaine d'années à avoir un projet, je vais écrire, je vais devenir une écrivaine. Et donc, nous, on a eu peut-être la chance de l'accompagner et de travailler avec elle. Bon, voilà, les choses ont avancé très positivement et maintenant, son talent arrive à exploser aux yeux du monde et montre que peut-être ici, localement, aussi, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de bonnes choses qui peuvent aussi être révélées. Tout à fait, tout à fait. Mais je suis membre de l'Alliance des éditeurs indépendants. Dans l'Alliance des éditeurs indépendants, c'est un réseau de plus de 300-400 maisons d'édition dans le monde. Et donc, c'est des éditeurs indépendants qui partagent un peu les meilleurs succès. Et donc, il est demandé à chaque éditeur qui a un livre, qui a un potentiel, quoi, de le faire diffuser. Dans notre vocation, c'est de faire diffuser la littérature. Nous reprenons des titres d'autres maisons qui ont circulé dans le monde. C'est comme ça donc, que nous avons proposé Mounial. Et donc, il y a une sélection qui s'est faite, n'est-ce pas? C'était le premier prix que Mounial remportait. Il y a une sélection qui s'est faite. Et donc, Mounial a été le premier roman choisi pour être diffusé en Afrique et dans une dizaine de pays. Et donc, c'est comme ça que l'aventure Mounial commence. Et par la suite, il y a le prix panafricain de la presse, le prix Orange. Et maintenant, nous attendons vivement le Goncourt. Non, ben, lorsqu'un livre est édité, n'est-ce pas, il porte le label de la maison. Pour le prix Orange, bon, il a fallu que ce soit les maisons d'édition africaines qui soumissionnent, quoi. Donc, c'est nous qui avons déposé le manuscrit qui a été retenu.
pas le manuscrit, parce que là, il s'agit d'ouvrage. C'est nous qui avons déposé l'ouvrage et nous faisons ça avec nos auteurs depuis 2 ou 3 ans que le Puy Orange existe. Donc, on a eu l'agréable plaisir de voir son œuvre retenue par le jury de ce prix qui a été décerné ici au Cameroun. Ce n'est pas à ce niveau que se trouve l'accord. L'accord, c'est dans la répartition du marché. Bon, vous savez, en tant qu'éditeur installé au Cameroun, la proximité, notre maison, c'est proximité, c'était déjà les pays voisins, le Cameroun d'abord, son bastion, là où il vit, et c'était aussi les pays voisins, les pays de la zone Afrique, au sud du Sahara et quelques pays du Maghreb. Donc ça, c'était notre vocation, parce qu'il ne fallait pas prendre des choses qu'on ne peut pas bien assumer. Et donc, il y a une répartition, tu vois, Emmanuel Colas en Europe, elle a peut-être le monde un peu plus ouvert, et nous, on avait tous ces pays africains, donc il y a une répartition des tâches. Maintenant, lorsque vous parlez des retombées, je vous disais que nous les vivons déjà. Déjà, depuis que le livre est nominé, a franchi toutes ces sélections, vous savez, pour rester dans le dernier carré du Goncourt, il y a eu beaucoup de sélections. Et donc, à chaque étape, on ressent quand même des ventes, on sent quand même, il y a une certaine attention qui est portée sur le livre, qui se vend mieux en librairie, qui est demandée. Et même pour nous, en tant que maison d'édition, les gens qui s'intéressent à nous, parce qu'on veut savoir quand même, les gens n'oublient pas, ils savent quand même que la première édition était une édition camerounaise. Donc, c'est. Et nous vendons un peu plus quand même, le livre est beaucoup plus demandé et sûrement qu'avec les ventes, ça va augmenter. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a une délimitation vraiment des aires géographiques. Nous, c'est l'Afrique subsaharienne et le Maroc, et elle, c'est les autres pays. Ce que j'allais à Madou arrive en écriture au moment où on ne parle presque pas un peu du Grand Nord. Vous savez, la zone du Sahel, c'est une zone qui est restée un peu fermée parce que l'islam ne permet pas toujours qu'on parle, qu'il y ait des gens qui parlent. Et donc, elle arrive et elle relève donc la portée de tout ce qui se fait là-bas. C'était resté jusque-là, nous, au Cameroun, on n'avait pas d'écrivain vraiment du Grand Nord, de cette région-là, et qui fasse du roman. Et donc, elle arrive, ça fait une plume neuve, ça fait des sujets nouveaux. Et donc, ça intéresse forcément les gens. Déjà, de voir comment on vit dans le Sahara, comment la polygamie est organisée. Vous savez que les cultures islamiques, c'est des cultures où on parle très peu. Et donc, voilà une jeune fille qui se met à raconter son quotidien, qui dit, ben moi, je m'en fous des tabous. Je vais vous raconter comment j'ai vécu dans un mariage polygamique dans le Nord. Et du coup, ça ne plaît pas aux gens, effectivement. Mais elle a cette volonté de dire ce qu'elle a vécu. Et donc, il y a forcément un intérêt, puisque c'était des choses cachées. Et donc, ce n'est pas seulement la thématique, mais c'est aussi un travail d'écriture, c'est-à-dire un style agréable à lire, très bellement d'écriture, pas de faute, vraiment, et de toute la force de la culture de cette région. Parce qu'il faut avouer que si elle a gagné, la polygamie, ça existe partout, mais elle est bien ancrée dans sa culture. Donc, on a bien su vivre un paysage Peul, les habitudes des Peul, et tout ça. Donc, c'est ça qui va faire sa particularité. C'est-à-dire, elle nous fait découvrir un univers qui est resté jusque-là caché. Et donc, avec toute cette force-là, lorsqu'on lève le voile, on découvre des choses qui sont vraiment agréables pour la lecture, pour les lecteurs. Voilà. Déjà pour répondre aux besoins des auteurs locaux, il y en a beaucoup. Voilà.
Il y a beaucoup d'auteurs locaux qui ne savaient pas où est-ce qu'il fallait publier. Il y avait des maisons qui existaient comme les éditions Clé et quelques maisons universitaires, mais ça ne permettait pas vraiment, avec des lignes éditoriales parfois fermées, ce n'était pas facile pour un auteur d'entrer dans ces maisons-là. Donc nous, on s'est rapproché vraiment du public. C'est pour ça notre nom, Proximité, c'est un projet, c'est-à-dire permettre aux jeunes auteurs locaux de ne plus s'expatrier, de ne plus aller voir les gros éditeurs français ou américains pour publier. Et donc nous sommes proches. Et avoir aussi un œil vers le monde, c'est-à-dire que permettre à tout ce qui est publié à l'extérieur, par des contrats, par des accords, par des sessions, d'être diffusé. C'est pour ça que je vous ai parlé tantôt de l'Alliance des éditeurs indépendants, où on a une dizaine d'ouvrages comme ça qui sont publiés à l'extérieur et qu'on revend très facilement à des prix abordables aux locaux. Donc, cette notion d'échange-là, cette notion de rapprocher de notre public nous a conduit à fonder cette maison qui s'appelle Proximité. Et la preuve, nous faisons en moyenne 15 à 20 romans de jeunes auteurs à qui nous donnons notre sens. Depuis 2002. Nous existons depuis 2002 et en 2007, nous sommes entrés dans Ifiquia. C'est-à-dire Ifiquia, c'était la réunion de trois maisons où nous avons cheminé, nous avons fait cet ensemble. Mais depuis 2014, nous avons repris notre autonomie. À un moment donné, Proximité était une collection d'Ifiquia de 2007 à 2014. Mais depuis 2014, nous avons repris notre autonomie en tant que maison. Donc nous existons depuis 2002 avec essentiellement, nous publions essentiellement des jeunes auteurs locaux. Mais notre maison aussi ouverte au monde, au reste du monde. Donc nous sommes attirés par tout ce qui touche à la littérature et tout ce qui est succès littéraire. Donc on a beaucoup de partenariats et des partenaires à l'extérieur. Si on s'en tient, par exemple, au résultat des différents concours littéraires, on a de très belles plumes au Cameroun. Les Camerounais sont un vrai vivier d'auteurs. Il y en a. Moi, je pense que Djali, c'est juste comment puis-je dire, c'est la légion avancée, c'est elle qui va permettre de découvrir toute la force de toute cette littérature-là. Parce qu'il y a de bons auteurs qui publient ici, mais qui souffrent un peu d'une diffusion. Il a fallu un concours de circonstances, que l'œuvre soit portée par l'Alliance, qu'elle se retrouve au Salon de Paris, qu'il y ait une presse panafricaine. Et bon, peut-être que si tout cela n'avait pas existé, peut-être qu'on n'aurait pas eu tout ça. Donc, je pense qu'il y a. C'est un espoir pour les autres Camerounais de dire, voilà, notre sœur a pu faire ceci, donc nous pouvons aussi. Ça veut dire que le travail que les maisons d'édition locales font est bien. Voilà que nos proximités se retrouvent à concourir avec les plus grandes maisons dans le monde. Ça veut dire donc que le travail que nous faisons du point de vue éditorial n'a rien à être négligé par rapport aux autres maisons d'édition. Donc nous avons de bons auteurs au Cameroun. Maintenant, il faut qu'ils prennent confiance et qu'ils sachent que le monde est ouvert, la littérature universelle. Si une œuvre plaît aux Camerounais, avec un peu une bonne diffusion, une bonne promotion, elle peut plaire à tout le monde. Elle peut être traduite en plusieurs langues. Par exemple, le premier roman de Diallo Amadou Walandé, il a été traduit en arabe, en anglais, en wolof, en plusieurs langues. Donc, les gens, là, comme je dis, les gens la découvrent aujourd'hui. Mais Walandé, son premier livre a été traduit déjà en plusieurs langues, ce qui n'arrive pas régulièrement dans d'autres univers de la littérature. Donc c'est un potentiel, et c'est vraiment un potentiel qu'il faut encourager. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que les gens voient le prix aujourd'hui, mais ils oublient qu'il y a un travail de 10 ans d'écriture. Voilà, une dame qui s'est dit, ben, moi, je vais écrire. Je veux devenir auteur et donc je me fais un emploi du temps et je vais écrire. On ne vit pas de sa plume, on dit ça, mais moi, je vais essayer de vivre. Et donc, avec du temps, avec du travail, et elle arrive au succès.